von Bismallah, besoin qu'on vive par Allah, qu'on fait travail grand et la vie. Et bonsoir à tout le monde qui est branché sur Radio Transfiguration. Ma quatre émission rubrique des fins de jour présentée par Frenou, par serviteur nous cultifie en grand pour Radio Transfiguration. Jeudi 6 février, et l'Église a célébré mémoire de la bienheureuse Eugénie Smet. Jeudi 6 février, et l'Église a célébré mémoire de la bienheureuse Eugénie Smet. Mais, dans la rubrique des saints du jour, on va découvrir l'histoire de Saint Égide, Marie de Saint-Joseph, ou encore Yorélil, Saint-Gilles, Marie de Saint-Joseph. Mais avant de nous parler de Saint-Égide, Marie de Saint-Joseph, on a regardé qui est l'autre monde qui est saint, qui est bienheureux, qui est vénérable, célébré dans la date 7 février. Nous gagnons bienheureux Adalbert Niesilowski, Saint Adok, bienheureux Alfredo Cremonesi, Saint Amand Delon, bienheureux Anna Maria Adoni, bienheureux Anselme Palo Palanco et Philippe Ripoll, bienheureux Antoine de Stroconio, Saint Audrin, Saint Criseuil, bienheureux Clara Ludmila Cessna, Saint Fidèle, Saint Georges, Saint Gilles Marie de Joseph, bienheureux Guillaume Soltémonché, bienheureux Jacques Salès, Saint Jean de Triora, Sainte Julienne, Saint Laurent de Siponto, Saint Liobette, Saint Luc le Jeune, Saint Maxime, Saint Meldon, Saint Moïse, bienheureux Nivard, Saint Parthénios, bienheureux Pie IX, bienheureux Pierre Véron, Saint Richard, bienheureux Rizier, bienheureuse Rosalie Rendu, Saint Sarkis, Saint Théodore le Stratelate, bienheureux Thomas Sherwood, Saint Tressin, c'est mon sayo, l'Église a célébré la date 7 février. Mais je dis, la rubrique des saints du jour, nous allons découvrir l'histoire de Saint Égide, Marie de Saint-Joseph, yon religieux des frères mineurs franciscains. Égide Marie de Saint-Joseph, le lit est fait, littéralement François-Antoine Postillo, c'est nom de baptême li. C'est le, li va rentrer dans la communauté, li va prendre nom Égide Marie de Saint-Joseph. Li fait en Italie à Tarente dans la date 16 novembre 1729. C'est un petit monde
qui fait dans la pauvreté. Et il pral vin apprendre même métier avec parents li qui c'est métier cordier qui donc qu'on fait corde, métier feutrier, c'est-à-dire monde qui qu'on fait feutre. C'est métier ça li gagne. Et avec métier ça parents li t'a vivre. Il a vivre dans la pauvreté, mais cependant, il est humble de cœur. Le li gen 18 ans, papa li mouri. Était li même seul, qui pral occupé, qui pral seul soutien, famille ça. Mais, la foi chrétienne li, que maman li avec papa li te transmet li, pral aider dépasser toute difficulté que li gagnait parce que li mettait toute confiance li en la providence du Père céleste, toute confiance li dans bon Dieu. Là li rivé dans février 1754, li pral wè comment li pral capable rivé rentrer dans la communauté parce que c'était vraie inspiration, c'était appel, sa vocation, sa qualité gagnée, de capable penser et travailler seulement pour mon Dieu. Le ça, il pral dégager pour occuper, quitter tout ça, maman, les familles, les avaient besoin. Et c'est comme ça, li pral choisi pour le rentrer chez les frères mineurs Alcantara. Ça nous dit les frères mineurs Alcantara, qui vient de Pierre Alcantara, c'est ça les frères mineurs déchaussés, des frères mineurs mendiants. C'est dans la communauté ça que li rentré. Li rentré dans la communauté ça, dans la province Lecce. Et là, yo pral formé li nan couvent sa, et li va rete la jusqu'à date 27 février 1755, côté que li pral fè profession religieuse li. Nan février, 2 février 1755, à mai 1759, li pral rete la nan couvent sa, et qui travaille la fè? La fait travail comme cuisinier, c'est lui qui est responsable cuisine dans la communauté. Il pral passer un bon petit temps là, et puis il pral faire un petit temps en 1759, il pral passer à Bari. Puis il pral voyer lui à Naples, côté que gagne une communauté que yo élevé au rang de gardienne. Là, il pral passé 53 ans à Naples, et c'est là que nous pral découvrir toute valeur qui gagnait dans Saint-Égide, que nous avons célébré mémoire, je vous dis, Saint-Égide Marie de Saint-Joseph. Oui, femme avec Samio. L'arrivée dans la communauté, ça, travail que les gagnants, te travaillent comme quêteur, travaillent comme cuisinier, travaillent comme concierge. Comme avec Samio, histoire de Saint-Égide, c'est histoire de humains qui vivent dans la pauvreté, qui promènent une vie de pauvre, une vie de contemplation et envie qui pral changer la vie en pile monde parce que li gen que sensible pour ti la yo qui pauvre yo. Saint Égide comme quêteur qui veut dire fait quête et pas oublier, li fait partie des frères mineurs alcantarins qui veut dire les frères déchaussés qui veut dire mendiants. Étonnant, c'est celui-là qui dans la rue qui a demandé pour la communauté.
c'était Trump ça que lui t'a gagné. Et en échange de ça que vous fait communauté à cadeau, les bons ont conseil, les prier ensemble avec vous-même. Et c'est là que Saint Égide Marie de Joseph pral fait un pile merveille pour un pile monde. Conseil que li ban nou, message que li pote, prière que li fait avec moun yo, pral fait que yo bay non, yo rele le consolateur de Naples. Parce que pas de personne qui vivait côté Saint Égide pour rencontrer lui, pour retourner même moun nan encore. Tellement li pral changé. Et puisque c'est lui-même qui te concierge tout dans la communauté, qui l'a pour recevoir moun, et qui l'a comme potier pour prendre sa porte là, il est toujours là pour recevoir toute qualité moun qui vient dans la communauté. Et essentiellement, si la yo qui vient chercher qui choy, si la yo qui grand goût, si la yo qui malade, si la yo qui cap souffri, la yo vient dans la communauté, c'est Égide que yo premier ouais, Gilles que yo premier ouais comme concierge. Et quand habitude li pour le capable gain bon conseil, qui gain belle parole, qui gain belle prière, tout le monde remet venir dans la communauté à cause de lui-même. Et là, moun yo, yo jwenn un pile merveille qui fait pour yo à cause de Saint Égide que n'a célébré mémoire qu'on a jodi a frèm avec sœm yo. Mais qui modèle l'église là ban nou? Yon moun qui fait dans la pauvreté, qui gagne un petit métier, mais qui vivent dans l'humilité, dans l'honnêteté et dans la prière. Yon moun qui gagne parole, qui est capable de toucher comme moun. Yon moun qui fait des miracles parce que chaque moun que li rencontre, li transforme la vie. Saint Égide que n'a célébré mémoire qu'on a jodi a, li te gagne yon seul parole nan bouche li. Depuis li croise avec yon moun, li di ou, aime Dieu, c'est mot ça que li di tout moun. Remè bon Dieu, remè bon Dieu. Et avec mot ça, comme avec Semyo, toute qualité moun vin yon li. C'est pas seulement moun ki grand goût ki pauvre, mais moun ki gen moyen, moun kap dirije et ki besoin bon conseil, yo vin yon li la communauté franciscaine, li même ki se yon quêteur, yon frère déchaussé, yon alcantarin, yon quêteur, yon mendiant, yon cuisinier, yon concierge, mais kap aide les nobles, les riches, lap aide ni moun ki riche, ni moun ki pauvre. Et maladio, la yo vin kote li, yo vin consolation nan souffrance yo. Et li patigete la seulement, li ale al visite maladio la kayo. Et chaque temps li visite yo malade, maladio jwenn soulagement. Sa ki pi feb yo, li ale visite yo. Men yon lot kalite ke li te gen nan li ankor, pa bliye, se li fe parti de frè Alcantarin, li mene yon vi kontemplative, kote ke chak swa, yo trouvel a pase de zèr en adorasyon devan le Saint Sacrement. Oui, fèm avèk sèm yo. Mais histoire, Saint Égide Marie de Joseph, mais qui modèle l'église là-bas nous, mais qui exemple l'église là-bas nous, pour nous capables de suivre dans la vie nous.
ou pas besoin riche, ou pas besoin gen gros connaissance, mais seulement remet bon Dieu, Jean Saint et Jidil, aimez Dieu, et avec un cœur d'amour, un cœur de compassion, qu'on capable river fait tant coup Saint Égide, qu'on capable river changer la vie moun. Les bras rentrer dans gloire bon Dieu. Ça t'est passé le 7 février 1812 à midi. C'était le premier vendredi du mois. Alors que cloche t'a sonné à midi. C'est comme ça. L'été rend dernier soupir lui à bon Dieu. Saint Égide, Marie de Joseph, que n'a célébré mémoire, je l'ai jeté à cœur les Saint-Gilles. Yo pral béatifiel, reconnaître vertu li, et c'est bienheureux pape Pie IX, qui était fait cérémonie en date 24 février 1868, qui était déclaré le bienheureux. Et Saint Jean-Paul II, la date 15 décembre 1994, il était reconnaître un miracle que l'il était fait pour yon coq Simone Uterin, Madame Angela Mignona, qui joue aujourd'hui, qui vivant toujours. Il était fait miracle pour lui. Et à cause de miracle, ça, Saint Jean-Paul II pral canonisé le saint, la date 3 juin 1996, et miracle ça a été fait la date 15 décembre 1994. Oui, frère avec Samuel. Nous capables la prière Saint Égide et la fait miracle pour nous. C'est peut-être aujourd'hui pendant la célébrer Saint Égide Marie de Saint Joseph. La ville t'en prie. Ben nous même humilité li te gagné. Même simplicité que li te gagné. Même cœur, l'été gagné. Même parole, l'été gagné pour être capable de consoler tout le monde. Je te relève le consolateur de Naples. Fait que nous-mêmes, tout nous prenons comme exemple, comme modèle pour nous consoler tout le monde qui vient côté nous. T'en prie, Saint Égide Marie de Saint Joseph, la prière pour nous. La prière ensemble avec nous-mêmes. C'était ça, mais c'était peut-être pour nous-mêmes la rubrique des saints du jour, présentée par frère nous, par serviteur nous, curmétif fils en grand pour Radio Transfiguration. Pas oublier, c'est nous gagner question, mais capable de visiter le website nous qui c'est www.radiotransfiguration.com, aller dans la page contact, ou capable d'écrire nous par email. Qui c'est radiotransfiguration@gmail.com, radiotransfiguration@gmail.com. Avec moi, à moi, quittez-nous. Moi, je souhaite une passer une bonne journée. Retenez dans la paix et dans l'amour, mon Dieu. Bye. Prendre parole la vie bien chaque jour. Besoin de comprendre parole là. Besoin de comprendre parole là.